bonjour, vous serez intéressé par cette proposition si vous êtes un mécanicien en activité qui désire diagnostiquer et réparer les différentes pannes relatives au système électrique et électronique embarqué sur les véhicules d'aujourd'hui, ou peut-être bien vous êtes un étudiant soit chez Forma Diesel ou ailleurs, ou aussi un universitaire et même un fonctionnaire qui désire faire du domaine du diagnostic électronique automobile son métier d'avenir. Parce que vous avez su que le métier du diagnostic électronique automobile peut constituer un bon projet d'avenir pour vous. En effet, les voitures d'aujourd'hui présentent plus de 40% de pannes de nature électrique et électronique, et ce chiffre est appelé à augmenter dans les prochaines années, donc ce qui rend ce métier très prometteur. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit des quatre outils indispensables que doit posséder tout technicien en diagnostic appelé à intervenir sur le véhicule pour diagnostiquer et réparer les pannes électriques et électroniques. Alors, je commence par le premier outil, c'est le nouveau appareil de diagnostic de la marque Lynch du type X431 Pro. Puis, le multimètre pour assurer les mesures électriques. On a aussi la valise des fils et des cordons pour des mesures électriques directement sur le véhicule, sans démonter les composants. Et enfin, nous avons l'outil indispensable pour assurer un bon diagnostic et une réparation fiable. Ce sont les données techniques relatives au véhicule à diagnostiquer qui sont fournies par le support Autodata Online, accès par Internet. Cet ensemble de quatre outils, nous l'avons nommé le pack EEA. Donc, il s'agit de l'appareil du diagnostic Lynch, du multimètre, de la valise du cordon de test et mesure électrique et du support de données de réparation des diagnostics Autodata Online. En effet, d'après ma longue expérience dans la formation dans le domaine du diagnostic des véhicules, je peux vous assurer et vous rassurer en même temps qu'avec ces quatre outils, vous pouvez diagnostiquer, réparer en même temps plus de 95% des pannes électriques et électroniques sur un véhicule. Les 5% restantes, là je fais allusion au système multiplexé qui nécessite un autre outil supplémentaire qui ne coûte pas cher, vous pouvez le compléter par la suite. Alors, la question légitime qui se pose dans votre esprit, pourquoi exactement et précisément le Lynch X341 Pro? C'est parce que, avec cet appareil, vous pouvez détecter facilement et rapidement la panne sur n'importe quel type de véhicule, diesel ou essence, de toutes les marques, américaines, européennes ou asiatiques. J'ai personnellement constaté après plusieurs tests qu'il offre une nouvelle et complète solution au diagnostic électronique. Son deuxième avantage, c'est qu'il couvre tous les systèmes à gestion électronique embarqués sur le véhicule. Avec cet appareil, le Lynch X341 Pro, vous pouvez diagnostiquer le moteur, la boîte à vitesse automatique, l'ABS, l'ESP, la climatisation, l'airbag, la suspension et d'autres systèmes. Il vous permet aussi de tester les actionneurs, d'effectuer aussi un essai sur véhicule sur route, comme vous pouvez aussi réaliser d'autres opérations supplémentaires. Alors là, je cite à titre d'exemple, la remise à zéro du timon d'entretien, la maintenance de l'EPB, c'est-à-dire le frein de parking, le codage des clés, la synchronisation de fermeture à distance des portes, la purge automatique du système ABS, aussi la configuration des boîtes de vitesse de type automatique, la maintenance et la gestion des filtres à particules, la régénération des FAP, la réinitialisation des calculateurs après changement des FAP, la réinitialisation aussi du module de la batterie, la calibration des valves de surveillance de la pression des pneumatiques, nommée TPMS. Il s'agit de l'affichage automatique et direct d'une indication servant d'avertissement sur un écran en cas de perte de pression au niveau d'un ou de plusieurs pneus. Et aussi, il peut assurer la calibration des capteurs du système ESP et de l'angle de braquage DSC. L'avantage principal de cet appareil réside dans son prix
très compétitif. Il est le meilleur appareil proposé au prix le moins cher sur le marché des appareils de diagnostic. Si vous le commandez de chez nous, format diesel, information en vidéo complète de A à Z et détaillée sur son utilisation vous sera offerte. Vous la trouverez sur notre plateforme en e-learning depuis notre site web. Cette formation qu'on vous offre vous rend sa manipulation plus facile dès le début. Vous pouvez ainsi lire les codes défauts, les effacer, lire les paramètres du véhicule, les afficher graphiquement, enregistrer des données, procéder à des réglages. En bref, avec cet appareil, vous pouvez réaliser toutes les opérations que nécessite le diagnostic d'un véhicule. Pour vous rassurer, je dois vous informer que nous travaillons en étroite collaboration avec le fournisseur officiel européen de la marque Lynch. Depuis la France, l'Italie, l'Allemagne, ceci vous garantira l'originalité de l'appareil. Nous vous le fournissons avec une garantie d'utilisation de 2 ans, avec 10 mises à jour gratuites durant la première année, à compter de la date d'achat de l'appareil, bien sûr. Alors, je passe au deuxième outil. C'est le multimètre que tout le monde le connaît. Alors là, je vous conseille juste d'avoir un multimètre de bonne qualité. Et je vous signale aussi que notre programme de formation EEA, électricien, électronicien, automobile, se donne à distance, comprend une formation complète sur la bonne utilisation de cet outil. Le troisième outil, il s'agit de la balise du cordon qu'on utilise avec le multimètre pour les contrôles électriques des capteurs, des sondes et des actionneurs sur le véhicule. Cette valise comprend aussi les différents connecteurs mâles, femelles avec lesquels il est possible d'effectuer des simulations des composants du type airbag, capteur potentiométrique sans démontage de ceux-ci. On peut aussi tester la polarité d'un circuit électrique ou la présence ou pas d'un courant et d'autres tests aussi sont possibles. La liste reste toujours ouverte avec cette fameuse valise. Toutes les manipulations sont décrites en détail sous différents formats, texte, images, vidéos dans notre programme EEA. Le quatrième outil, je le qualifie par la boussole du technicien, ce sont les données techniques que doit obligatoirement avoir en sa possession lors de l'intervention sur un véhicule. Je vous assure que l'Autodata Online est une aide précieuse dans l'opération de diagnostic. Il vous fournit l'ensemble des données techniques pour toutes les opérations de réparation, notamment électriques et électroniques. Je cite à titre d'exemple les codes défauts, le schéma électrique, les données de diagnostic, les valeurs de contrôle pour tous les véhicules diesel ou essence. Avec Autodata Online, vous pouvez accéder aux informations techniques pour plus de 17 500 véhicules légers et utilitaires, près de 80 constructeurs. La mise à jour sont chaque mois. Ceci vous permettra d'obtenir les informations sur les véhicules les plus récents ainsi que les nouvelles technologies, par exemple les batteries hybrides, le stop and start, les filtres à particules et d'autres appareils nouveaux.